avoir passé le train. Parce que à Arénis-des-Mares, comme vous l'aurez compris, le port est derrière nous là. La ligne de chemin de fer longe. Donc, pour aller en ville. Wow, je pars. Donc pour aller en ville, là, il faut passer par un souterranos. Un souterranos vers la Ciudad. Ah, le petit train. Ah, j'adore le petit train. Tout le monde est heureux quand il fait le petit train, tu vois. Ça met en joie. Et là, voilà, on arrive en ville. Parce qu'à la croisière, c'est aussi aller faire les courses. Eh oui. Hein? Ah oui. Bah, allez. Il faut bien manger. On tient combien de temps avec les courses dans le frigo? Là, clairement, avec ce que j'ai fait, on tient 9 jours. 9 jours? Ouais, 9 jours à 2 ou à 3. On aurait bien à deux, on tenait plus longtemps. À deux, on tenait plus longtemps. En fait, on fait congeler un petit peu de viande dans la glacière, ça marche très bien. Dans le freezer de la glacière. C'est joli, là, regardez. Parce qu'en fait, ça n'a de réfrigérateur que le nom. Hein. C'est une grosse glacière, c'est-à-dire que c'est jamais vraiment aux températures. Serait totalement nécessaire, donc je vous conseille d'acheter de la viande et de la mettre au freezer. Elle est un peu congelée, mais de toute façon elle a une température de conservation correcte. Alors si vous la laissez dans la glacière, faut la manger vite quand même. Là, je parle pour l'immense majorité des bateaux, hein, parce qu'évidemment, il y a des voiliers avec frigidaire de compétition, machine à glaçons, congélateur, pole dance, machine à bulles et boule à facettes. Mais nous, on n'a pas tout ça. Alors, nous, on va ici à Ahmed Teller. Origan. Je crois que c'est une chaîne. Il y en a un autre en face, Bonaria. Bah, celui-là est sympa, il est bien achalandé. On y trouve tout, donc bon, on ne va pas en faire non plus du tourisme de grande surface. Voilà, donc on trouve ce qu'on veut. Hein. À les prix, bon bah 1,79 le kilo de tomates, c'est un petit peu moins cher qu'en France, il y a toutes les sortes, tous les prix. 2,99. Les légumes sont frais. Bon, la viande, pas grand chose. Le bœuf est moyen. Bon, évidemment, au niveau jambon, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc plutôt bien achalandé. Pas bon. Voilà, pour l'essentiel, pour passer quelques jours. Puis après, au bout d'un moment, on va dans un autre port. Quand on a plus d'eau dans le réservoir, on fait d'autres courses. 1,79 les pêches de vigne, c'est correct. Bon. Allez, on va prendre du jus d'orange. Voilà, je vais couper parce que sinon je vais m'en mettre partout. Ah, finalement.
finalement la viande ça ne nous a pas plu. Donc on va dans celui-là. Comme ça vous verrez les deux. Voilà. Voilà. Muchas gracias. C'est marrant quand tu parles espagnol, toi, ton maman, les gens te donnent plus de trucs alors que t'es espagnol. Oui. Toi, quand tu parles espagnol, tu obtiens des trucs. Moi, ils se marrent. Et ça, c'est original, regarde. Regarde, c'est 2,80. Ah oui, ça aussi, je vais prendre ça. J'aime bien ça. Pour faire une friture. T'as faim, non? Non, pas du tout, parce que j'ai un peu de... Ah, c'est bon, je voulais pas la faim. Bah, j'aime bien la faim. Ah, non, oui, merci. Oui. Oui, donc le rayon est... C'est un peu moins cher aussi. Si non, on te voit la chance. Una firma. Una firma. Leo. Una firma. Vinga, zombie. Ah, la même la police joue le jeu. D'Arenis démarre, il fait pas très beau, mais bon, voilà, il y aura un peu de vent. Normalement, ça devrait être du portant, parce qu'on remonte au nord, donc on devrait avoir du sud, de l'est ou du sud-est. Et bien, on verra. Ça marche, hein, de riz dans la grand voile, le génois avec un riz ou un demi-riz. Il y a 17 nœuds de vent apparent et on croise à 6 nœuds entre 5,5 et 6,5. Donc ça marche. Il y a un peu de mer, on est face à la mer. Non, mais on navigue bien là. Hein.
train d'abattre doucement vers notre destination, à savoir Tossa de Mar. On est encore à 5 nœuds. On se rapproche. J'ai donc choqué la GB et le Génois. Et on reprend une vitesse tout à fait correcte, entre 4,5 et 5, voire un peu plus de 5. Et on glisse doucement. Voilà au portant. C'est pas souvent. Donc on a changé de saison. Bien repasser mon genou. Alors je le repasse. Alors je sais pas s'il y a des bouts ou s'il faudra attraper à la gaffe ou comme ça. Je sais pas comment c'est ici. Hein. Non, t'as pas besoin. Pour la pour rafaler, t'as pas besoin. Voilà, la bouée à Tossa de Mar. Bon, un peu cher, 55 euros. Il est 14h jusqu'à demain midi, donc 55 euros pour 24 heures. C'est un peu cher, bon, avec la navette, l'aide à l'amarrage, tout de même. C'est 10 euros de moins qu'à Cadaqués. C'est moins joli que Cadaqués. Mais ça reste quand même cher. Voilà, il y a plein de bouées. On n'est pas dans les bouées les plus lointaines, on est dans les bouées pour bateaux un peu plus gros là, donc ici on est bien. On va bouger un peu cette nuit, mais ça doit être gérable. Et on est amarré par deux bouts. De l'autre côté, on voit le château qu'on va aller visiter ou revisiter puisqu'on on l'a déjà fait il y a quelques années, pour ceux qui suivent les vidéos, ils l'ont déjà vu, mais là on va le refaire. On était arrivé en bateau. En bateau de touristes. Là on arrive avec notre bateau et on s'amarre avec notre bateau. C'est toujours, toujours sympa d'avoir réalisé ça. Et c'est beau.